Eh bien bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de Final Fantasy VII. Je suis toujours dans les quêtes secondaires du Wall Market, et vous le voyez, je suis descendu directement au niveau de la zone de combat pour gagner un petit peu de temps. J'ai fait également 2-3 petits trucs entre les épisodes, j'ai juste visité des zones que je n'avais pas visitées, genre ce grand couloir ici, où il n'y avait qu'un seul coffre, voilà, c'était pas foufou, et ce grand couloir ici, où il n'y avait rien du tout. Voilà, enfin, si, il y a des trucs, genre il y a un coffre ici, mais c'est fermé par une grille. Et ici, il y a écrit Avalanche, mais c'est tout. Donc je pense que c'est une zone pour plus tard. Mais voilà, j'ai voulu y faire un petit tour. Je pensais retrouver des ennemis, prendre un petit peu d'XP, améliorer mes matérias. Et ce fut un véritable échec. Voilà. Donc avançons, puis on verra pour plus tard. On n'attendait plus que toi, champion! On n'attendait plus que toi. Match spécial. Le match se déroule à guichet fermé. On compte sur toi pour mettre l'ambiance dans les gradins. Alors par contre, méfiance, parce que je suis tout seul, hein. Ce soir, il est là pour prendre sa revanche et il ne laissera rien passer. C'est le chouchou de Sam, j'ai nommé le Tronçonneur. Il a essuyé ses larmes et aiguisé ses lames. Comment notre champion va-t-il contrer sa rage de vaincre? Que le carnage commence! Allez, c'est parti! On va commencer par la bonne vieille analyse. Oula, recule. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il a fait. Attends, esquive un peu parce que. Ok, doucement. Je suis tout seul, alors faut que je fasse gaffe. Encore plus que d'habitude. Analyse, que j'ai rééquipé. Oh, d'ailleurs! Attends, fais l'analyse. On sait jamais. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle possible. Oh oui! Bonne nouvelle! J'ai rééquipé la foudre. Bon, il est pas sur l'arme, genre associé à l'élément. Non, mais j'ai la foudre. Mauvaise nouvelle, j'ai enlevé le soin. Enfin, j'ai pas enlevé tous les soins. J'ai une matéria de soin, mais c'est une matéria avec 0 XP dessus. Donc, c'est un petit soin que j'ai. Méfiance. Méfiance. Les bras ne peuvent être détruits que lorsque la machine est en état de choc. D'accord, objectif, état de choc, casser les bras, casser la machine. Ah, il s'est boosté, c'est ça, regardez en haut. En haut à gauche. C'est la furie. Il s'est boosté. Recule. Doucement. La foudre pour toi. Du coup, voilà, regardez, j'ai pas l'extra soin, mais j'ai quand même l'extra foudre. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. On va voir. Ah, fragilité. Recule. Fou. Le feu. Ouf. On reste en mouvement. J'ai pas beaucoup de soins. Ça me fait peur. Extra foudre. Esquive ça. Parfait. Oh, mais sa vie descend bien. Sa vie descend très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais la parade. Et tu esquives ensuite. Non, j'ai appuyé sur carré comme un stupido. J'ai voulu esquiver, j'ai la volonté d'esquiver, sachez-le, c'est très important. Bam! La fragilité ne reste pas longtemps du tout. Ok. Ah, non. Ah, c'est bon. Non, foudre. Faut faire gaffe au MP aussi, parce que ça me coûte très cher. Bim! Non, bim! Quoi? Si, c'est bon. Et il est déjà à la moitié de sa vie. Prends un éther. Il est mou, en fait, cet ennemi. Il est beaucoup trop mou. Hop là! Non? Ouh, attention, moi aussi, je suis un peu mou. Je suis un petit peu mou. Oh! Du soin! Cloud! Ah! Incapable de protéger qui que ce soit. Il est mou, l'ennemi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va recommencer, hein. C'est rien. Ok. Nouvel essai, avec cette fois, des matérias corrects. Alors, j'ai l'extra soin, j'ai enlevé le feu, j'ai toujours l'extra foudre, et j'ai mis la foudre associée à l'élément sur mon attaque. Comme ça, on le défonce. Mais, on va quand même faire une analyse, parce que je le veux dans mes petits fichiers. Ça va te calmer. Bonjour à toi, au revoir à toi.
Ah, ça va le calmer. Ça va le calmer. Oh là là, ça le met en faiblesse. Ah, ça le met en faiblesse. Enfin, en fragilité, plutôt. Tiens, tu sais quoi ? Extra foudre. Boum ! Oh là là, l'effet critique ! Le critique ! Le critique ! Le critique ! Oh, j'ai voulu abuser. À la vengeance. Ça va piquer. Ah, on le défonce. Je me protège. Je le déglingue. Je le déglingue. Oups. Attends, esquive avant. Mouah. Fragilité, fragilité. Est-ce qu'on a le droit d'un un petit état de choc là? Qu'on rigole. Non? Personne veut un état de choc? Ah, oh bah j'ai plus de MP. Est-ce que je dépense un éther au cas où il y a une autre phase? Oui. J'ai trop envie de l'avoir en état de choc. Oh oui, l'état de choc. Oh là 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 là. Le champion en titre a su nous montrer qui il était. Bon, c'était beaucoup plus efficace comme ça. Il a tranché d'un coup les désirs de revanche de ce pauvre tronçonneur. Oh, salut toi. On peut dire que tu t'es surpassé. Tiens, voilà ta part. Profites-en. Mais... Oh, Iris. Elle est encore en train de s'attacher les cheveux. À mon avis, tu aurais largement le temps d'aller voir un match si tu veux. S'il y a bien une chose dont je ne me lasserai jamais, c'est de voir les jouets favoris de Sam se faire briser. C'est bien vous, ça. Quelle jolie main tu as maintenant. Avec de si belles mains, si le danger croisait ta route. Maintenant, je pense que tu devrais arriver à défendre une femme ou deux. J'en ai toujours eu l'intention. Iris doit avoir fini de se préparer maintenant. Il va falloir que je rentre. Quand tu auras fini, retourne au salon. Ouais. Bon, bah écoutez. C'est tout terminé ? Toutes les quêtes secondaires sont terminées. On a un magnifique nouveau bâton pour Iris. Je vous propose de nous retrouver devant le salon. Oui ? C'est bon, hein ? On a tout terminé ? What the fuck ? Cloud ! Mais où est-ce que t'étais ? C'est Tifa ! Elle est... J'ai essayé, mais... Calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a, Tifa ? J'ai appris que les auditions auprès de Don Corneo allaient bientôt commencer. Si on fait rien, Tifa risque de... Mais tout seul, moi, je peux absolument rien faire. J'ai compris. Je t'accompagne. Hé, hey, Cloud, tu permets que je t'appelle Frangin ? Pas question. Non. Tu sais, moi je me dis qu'à toi, je pourrais te confier Tifa, Frangin. Ah mais d'accord. Mais dis, Frangin, comment t'as fait pour devenir aussi fort ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Cette façon que t'as de manier l'épée, je suis complètement sous le charme. Mais... Comme ça, tchac, slash, là, là. Moi aussi j'aimerais assurer comme toi, tu sais. Mais dès qu'il s'agit de s'y mettre, je me laisse avoir par mon côté romantique. Dis, Frangin, t'aurais pas de bons conseils à donner à un jeune dans mon genre ? Qui cherche à s'affirmer ? Non. Non. Quoi ? Bon bah c'est pas pour tout de suite qu'on retrouve Iris, hein. Ça charge. Bon, moi je vais attendre ici. Comment t'expliquer ? C'est surtout que je veux pas te gêner, tu vois. Trop tard. Tu pourrais retourner chez Madame M et voir si Iris sort de là. T'auras qu'à lui demander d'attendre que je revienne. Compte sur moi. Du coup, on va vraiment faire la mission sauvetage sans Iris ? Mais on, en fait, on, enfin, je comprends pas, parce qu'on a fait tout ça pour justement pouvoir s'infiltrer, mais d'un coup, il y a Johnny qui vient et qui dit « Non, 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 mais il faut le faire, faut y aller maintenant !» Du coup, on y va bourrin. On est d'accord ? Parce qu'eux, ils veulent pas du tout nous voir, hein, à mon avis. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai obtenu une lettre de recommandation. Hein ?
C'est réservé uniquement aux femmes. C'est Aerys qui a été choisie. Ah, c'est la fille qui était avec toi ? Dommage. Quoi qu'il en soit, les hommes peuvent pas entrer dans le manoir. J'ai pas besoin de ta permission. Hein ? Fais pas n'importe quoi. Don Corneo est vraiment quelqu'un de redoutable. Si tu fais du grabuge ici, quelqu'un devra forcément en payer le prix. Crois-moi, ça pourrait bien être quelqu'un que t'essayes de secourir. Ou encore quelqu'un qui n'a absolument rien à voir dans tout ça. T'as compris ? C'est comme ça que ça marche par ici. Il reste encore un peu de temps avant que les auditions commencent. Si t'as vraiment une lettre de recommandation, tu devrais ramener cette fille. Personnellement, je te le conseille pas en tout cas. Il est assez conciliant lui, hein, finalement. Il essaye de nous dire « Non mais faites pas ça, vous allez vraiment le regretter. » Il est pas si méchant. Du coup, on retourne chez Madame M. C'était quoi ce petit détour juste pour voir Johnny courir à toute allure ? Ah, quoique. Hein ? Allez, poussez-vous de là ! C'est pas une attraction ! Mais dégagez ! Ah ! T'en prie. Je suis prête. Ça te change drôlement. Ouais. Corneo aime ce genre de tenue, il paraît. Je sais pas, je trouve ça un peu exagéré. C'est gênant. Ouais. Claude ! Oh, c'est pas mal, par contre, niveau coiffure, c'est la même, non ? Désolé. Enfin, avec quelques petits trucs en plus. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez ? Dis-moi plutôt, Aerys, Johnny, il t'a pas transmis mon message ? Si, si, il l'a fait. Mais malgré ça, je me suis quand même inquiétée. Cet endroit est bien plus dangereux que je l'avais imaginé. J'ai aucune idée de ce qu'on va te faire pendant cette audition. Y a pas le choix. Je peux pas te laisser y aller seule. Y aller seule ? Ça n'a jamais été mon intention. Allez, viens par ici. Où est-ce que tu m'emmènes ? Madame M m'a appris quelque chose tout à l'heure. Il paraît que quelqu'un s'intéresse beaucoup à toi, Cloud. Hein ? Mmh. Voilà qui m'intrigue. Elle... Si, c'est quand même stylé, sa robe. C'est quand même pas mal. Elle est très habillée et il y a une sacrée fente sur le côté, quand même. Hein. Tout doux, hein. Attendez, parce qu'elle est dans l'équipe... Et je suis pas sûr qu'elle soit bien équipée. Oui, je lui ai retiré des trucs. Faut peut-être qu'on lui rajoute... Ou qu'on lui enlève, je sais pas. Qu'est-ce que j'avais chez Cloud que j'ai retiré ? Le remède ? Non, non, attendez. Ah non, c'était MP augmenté qu'elle avait. Magie augmentée ? Franchement, je sais pas quoi rajouter. J'ai tellement de trucs. Expertise des objets. Aïe. Allez, va pour l'expertise des objets. Et je te propose aussi d'enlever Gros Chocobo et de mettre Shiva, parce qu'on l'a pas encore vu et que peut-être on pourra la voir. Voilà. Air d'effet, on garde, vent. Par contre... Non, en fait, on va pas mettre l'expertise. Là, j'ai vent. Là-haut, j'ai foudre. Allez, on laisse comme ça, Non, c'est pas ça que je voulais à la base. Ah, je vous jure. Aerys, bâton magique. Équilibré. Oh, 5 emplacements de materia. Incroyable. Et la nouvelle capacité, c'est familier magique. Oh. Appelle temporairement un papillon éthéré qui utilise la magie et effectue une attaque après chaque compétence du personnage. C'est dingue ça, non ? Et on l'apprend plus facilement en faisant quoi ?
faire lancer une attaque au familier après une compétence ou un sort, une seule fois pendant l'effet. Oh, trop bien. Et regardez ces matérias disponibles. Attends. 5 matérias disponibles, dont 2 liés. Insane. Insane. Bouge ça ici. Là, je récupère feu que je n'avais plus. Et là, qu'est-ce que je peux mettre avec? Pourquoi pas... Pourquoi pas rien du tout? Parce qu'en fait, tout est utilisé. Je pensais à enchaînement magique, mais bon, il est déjà amélioré. Non, bah alors à la limite, tu vas prendre la glace. Parce que personne n'a de glace. Comme ça, on a à peu près tous les éléments, je crois. Ah, je suis refait. Je suis très content. Bien, et maintenant, je te suis. Ah, on va à la ruche. Donc, t'as vraiment la clé s'habiller comme ça, ma jolie. Où est-ce que tu vas? Alors ça, c'est une vraie beauté. Non mais cette fente sur le côté. Et tu vas vraiment entrer dans la ruche comme ça? Elle est très mignonne. Ou justement, on aura peut-être nos accès parce qu'on est habillé comme ça. Il y a beaucoup de relous. Une jolie fleur qui vient illuminer le quartier de la nuit. Vous êtes arrivé à destination. Je comprends pas. On est à la ruche. On va obtenir une lettre de recommandation de son directeur, Andy Rodea. Comme ça, toi aussi, tu pourras pénétrer dans le manoir de Don Corneo, n'est-ce pas? Moi, je suis persuadée que tu seras très sexy avec des vêtements de femme. Hé hey. Ah ouais. D'après ce que m'a dit Madame M, il est vraiment très rare que cette Andy soit charmée à ce point en voyant quelqu'un. C'est donc une chance inespérée, à mon avis. Tout ça, c'est pour secourir Tifa, n'est-ce pas? Attends. Qu'on soit d'accord, la question de savoir si tu vas le faire ou pas est désormais réglée. Il ne reste plus qu'à savoir comment tu vas le faire. Andy est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. C'est Madame M qui le dit. Par conséquent, autant lui expliquer notre situation clairement. Le risque en vaut la peine, tu ne crois pas? Eh bien, oui, pourquoi pas? Tout ça, c'est pour secourir Tifa, n'est-ce pas? On y va? On va aller charmer Andy. Je suis prêt. Où sont les Honey Boys? Bienvenue à la ruche. Nos spectacles sont les plus divertissants de tout Walmart. Passez un agréable moment parmi nous. Je voudrais parler avec Andy Rodea. Vous devez être Cloud. Nous vous attendions. Qu'est-ce que ça veut dire? Andy m'a demandé de vous laisser entrer quand vous arriveriez. Je vous en prie, allez sur la scène au fond. Oh, on lui a tapé dans l'œil. La scène? Oui. Je vous en prie, veuillez avancer jusqu'à la porte au fond. Oh, je sens que ça va être bien. Je sens que ça va être très bien. Iris ne m'a pas suivi, elle m'a laissé dans le pétrin comme ça. Enfin, mon rêve de visiter la ruche se réalise. Oh, attendez, on peut visiter un petit peu tout là. Est-ce qu'on veut vraiment rentrer dans ces pièces? Est-ce qu'on veut vraiment rester là? Ah oui, on veut rester là. Pas de problème, faites votre truc. Ah oui, je pense qu'un calmant, ça peut être pas mal. Je m'en vais. Salut! Salut. J'ai bien fait de m'endetter. J'ai bien fait de m'endetter. Oh non! Oh là là! Attends! Ah, ça a changé Animal Crossing. Hein. Ah, Tom Nook, il a pris super cher. Oh là 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 là! Va falloir. Comment dire? Charmer Andy, hein. Quoique, je crois qu'il est déjà charmé. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à faire. Ah non, mais c'est glauque de regarder comme ça. C'est trop. Ah, il a de l'acupuncture. Oh là, je sais pas le dire. Bref, il a des aiguilles dans le dos. Trop marrant. J'aime trop.
Ah, c'est ici que les Honey Girl... Les... Comment ? Honey Girl ? Oh, je sais plus comment ça s'appelle, en fait. Y'a rien ? On va lui parler ? Oh, vous voilà enfin ! Tenez, veuillez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Non, je veux juste... Oui ? Oh, se pourrait-il par hasard que vous vous soyez trompé et soyez rentré dans la mauvaise salle ? Quel dommage ! Vous êtes vraiment mon type, vous savez. Je pensais qu'on pouvait pas aller plus loin qu'avec le massage de main de Madame M, mais peut-être qu'on va pouvoir. Je m'attends à tout, franchement. Nous vous attendions impatiemment. Andy nous a dit de vous accueillir. Vous êtes son invité. Allons-y, les filles. Dites, c'est bien la première fois pour vous, n'est-ce pas? Vous voulez peut-être vous entraîner un peu à danser? À danser? Pourquoi? C'est parce qu'Andy nous a demandé de faire comme ça! Allez, venez donc par ici! Attendez! Oh là 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 là, on va danser, appuyer sur les touches au bon moment en vous aidant de la ligne rythmique de la musique. Regardez cette image de Cloud qui se dandine. Observez bien les touches qui s'affichent à l'écran et tenez-vous prêt à appuyer. Pour avoir un timing parfait, vous devez attendre que la ligne rythmique et le panneau se superposent. Obtenir le score maximal vous permettra peut-être de recevoir un cadeau souvenir. Ah oui, en plus du charme, je veux le cadeau. Ok, on est dans le tuto. Excellent ! Parfait ! Oh mais c'est tellement bien ! Incroyable ! Ah, ces pauses! Mais ce jeu... Incroyable! Excellent! Parfait! Incroyable! Excellent! Magnifique. On a eu une musique. Fantastique! Mais dites-nous, ce n'est pas la première fois que vous dansez, pas vrai? Oh, vous savez, vous m'avez percé à jour. Non, non, je m'entraîne pas, là, c'est bon. Go sur scène. Et alors, je vous préviens, pendant qu'on danse, je ne dis plus rien. Je vous laisse profiter. Que vois-je? Tu caches bien ton jeu, dis-moi. Andy va bientôt arriver. Reste un peu avec nous en attendant. Qu'est-ce que t'es musclé? Tu mets quoi dans tes cheveux? Je te souhaite la bienvenue à la ruche, mon cher Cloud. Alors comme ça, tu veux une recommandation? Mais bien sûr. Très bien! Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Danse avec la grâce d'une concubine! Oh!
Arriveras-tu à suivre mes pas ? Stop. J'ai pas les mots pour ce qui est en train de se passer. C'est insane. Ok, bon, on va danser. Tout le monde est extraordinaire. Les animations sont folles. Là, ça danse, ça chante. Oh là 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 là. Reprenez votre calme. Nous allons danser. For your life. Allez! Insane. Bravo! Super! J'en ai raté quelques-uns, parce qu'avec les mouvements de caméra, des fois, tu vois pas bien. Mais c'était tellement propre. Je sais pas comment dire, mais c'était trop bien. Très bien, tu m'as vraiment... Oh là là, oh là là! C'est bon. Je vais faire de mon mieux pour faire de toi la concubine la plus désirable. Bien, que le clou du spectacle commence! Ça te sied parfaitement. Ah!
parfait. La véritable beauté vient du fond du cœur. Écoute, Cloud. Être un homme ou une femme n'a aucune importance. Abandonne tes craintes et avance. J'ai pas les mots sur ce qui vient de se passer. Ce spectacle était vraiment impressionnant. Ah, mais c'est à moi de bouger. Hé, regarde, je fais la danse de la joie. Toi alors, t'es tout excité. Dépêche-toi de venir ici. Je me suis bien amusée. On va parler de ça en buvant. Attends. C'était de l'impro, tu crois? Sûrement, oui. Attends, moi. Tu avais l'air d'être étonné. Cloud, c'était vraiment un spectacle inoubliable. Mais... Pourquoi tu me parles plus? Hé, Cloud! Quelle belle robe sexy! Il boude! Il y a le boude! Arrête, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, regarde-toi, là! Ah, je peux pas te voir? Ah, si! C'est splendide. J'ai pas les mots pour ce qui se passe dans cet épisode. Fais pas de commentaires. Juste une chose. Pas question. T'es vraiment trop mignonne. Je me suis perdu. Une jolie fleur qui vient illuminer le quartier. Fais attention à comment tu marches. Que c'est beau. Mais comment il est fichu ce quartier? Eh bien... C'est parti. C'est parti. Non, je suis pas perdu, non, je sais très bien où je vais. Je vais accomplir ma mission. Je suis un ancien soldat. Ma vie, je vis pour ça. Je vis pour ce moment, pour cet instant. Oh là, oh non, oh. Oh, je viens avec toi. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, tu sais. Cette danse, elle était vraiment magnifique. Tu auras sans doute un peu de mal à faire des squats dans cette tenue, mais quand tu auras le temps, passe nous voir à la salle de muscu. Ouais, pas de problème, mais qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? J'ai hâte de voir vos commentaires. La prochaine fois, toi aussi, tu parieras tout ce que t'as. C'est hors de question. Commentez, je vous en supplie, commentez. Dites tout. Il faut que tout soit dit. Tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Je rêve ou quoi? On a obtenu des lettres de recommandation de la part de Madame M et d'Andy. Vous nous laissez entrer? Vous êtes sûr? Tout est en règle, non? Ça sera trop tard pour regretter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Très bien, alors. Entrez. Et c'est parti. Remarquez qu'on n'a pas d'armes. Hein? Donc s'il y a un problème... Vous êtes là pour l'audition, n'est-ce pas? C'est la salle, au fond, après avoir monté l'escalier. Vous avez pas intérêt à traîner, pigez? Oh, je peux bien fouiller un petit peu, non? Il y a bien une ou deux salles où il y aurait un coffre. Oh là 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 là. J'essaye de m'en remettre, hein. Je suis désolé. Je dois être insupportable à tout trouver extraordinaire et... Il y a des gros lingots d'or? Bon. Je vais monter. On peut pas emmener un petit lingot? Ça se voit, ça se verra pas. La fille choisie par Madame M, elle est vraiment très jolie. Hé! Hey, qui vous a permis de toucher ça? Pardon. C'est Andy qui la recommande. Vous êtes prié d'attendre gentiment dans la salle. Bon, il a dit au fond, hein, mais ça veut pas dire que je peux pas tester. La salle est au fond. Maniez-vous. On est vraiment censé venir ici? Sucré, c'est quoi? J'ai la tête qui commence à tourner. Du gaz. Hein? Quoi? Vite, on sort. Merde. Cloud. Vite, un masque FFP2.
Eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? Il vous fait un petit malaise? Inquiétant, quoi. On va vous emmener jusqu'à la salle d'attente. Vous pourrez vous reposer un peu là-bas. Allez, il ne faut pas rester ici. Où est-ce que vous nous emmenez? Faites bien attention où vous posez les pieds. Hé, toi! Fais gaffe où tu fous tes mots. Calme-toi. J'aide à se relever, c'est des invités de Don Corneo. Si on leur fait le moindre bleu, je donne pas cher de logement. Je sais, c'est bon. En tout cas, on a rassemblé une belle brochette de concubines cette fois. Est-ce que ça va mieux? Oh, Tifa. Tifa. Oui. Ça va? Ouais. Parfait. Vous... Elle m'a pas reconnue. C'est pas vrai. Cloud. Mais t'es maquillée et tu portes une robe. Oui, oui, je sais, mais j'avais pas d'autre solution. Ça va aller? Oui, j'ai juste la tête qui tourne un peu. Enchantée, Tifa. Enchantée. Je me présente, Aerys. Je suis une amie de Cloud. Tous les deux, on est venus pour te sauver. Ah, c'est gentil à toi. On parlera plus tard. Faut vite partir. Hein? C'est dangereux ici. Attends, j'ai pas encore pu faire ce que je voulais. Hein? En fait, quand on est rentré au bidonville, on a repéré des types louches qui fourraient leur nez un peu partout. J'ai fait ma petite enquête. C'était des hommes de Corneo, c'est ça? Ils posaient des questions au sujet d'Avalanche. Par contre, j'ai pas réussi à savoir pourquoi. Du coup, j'ai décidé de demander à Corneo. Tu rigoles? Je me disais qu'en passant une audition, je pourrais me retrouver seule avec lui. Ça me semblait plutôt simple. Mais il paraît qu'il y a en fait 3 candidates. Ce qui veut dire que si je suis pas sélectionnée, toute ma stratégie tombe à l'eau. Dans ce cas-là, pas d'inquiétude. Les 2 autres candidates, tu les as devant toi. Hein? Ouais. Tu vois, si on est tous du même côté, il n'y a aucun problème. C'est pas faux, mais quand même. Ce sera toi, ou moi, ou Cloud. Quelle que soit la personne choisie, ça marche. Non, mais Aerys, je peux pas te faire prendre de risques inutiles. Tu peux dire ce que tu veux, elle en démordra pas. Oh, dis donc, Cloud, tu commences à me connaître, c'est bien ça. Bien. Tifa rejoint le groupe. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Attention. Je pense que quelqu'un va venir nous appeler. Cette pièce me donne la chair de poule. Attention parce que... Tifa est niveau 20. Ah mais elle est du même niveau que nous? Non, moi mon problème c'est Tifa. Eh oui, elle n'a plus de matéria, c'est la dèche. C'est la grosse dèche. Alors, il y a intérêt que tu récupères des trucs. Ah ouais, son arme a été bien augmentée, parce qu'elle aussi, maintenant, a tous ses slots disponibles. Bon, bah, je fais un petit tour de matériel, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il nous faut? Barrette, tu peux pas enlever ton truc, là? Attaque anticipée? Ouf, est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce qu'on en a vraiment envie? On va récupérer un petit soin. On va récupérer un petit feu. Et peut-être des nouvelles qu'on n'utilise jamais, comme par exemple le vol. Pourquoi pas? Même si elle ne s'améliore pas, c'est ça qui m'embête avec le vol. D'ailleurs, je crois que la capacité, enfin la statistique chance fonctionne aussi avec le vol. Il y a le coup critique et le vol. Il y a quelque chose comme ça. Chakra, on en a déjà un. Écoutez, je vais mettre vol au cas où, si j'ai besoin. Et puis... Ah, l'enchaînement stimulant, tiens, on n'a pas essayé. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Ça remplit les jauges ATB des équipiers lorsque le personnage équipé de la matériel utilise plusieurs commandes ATB à la suite. Ouais, donc c'est plutôt utilisé sur le chef, quoi. D'ailleurs, tu vas prendre Gros Chocobo. Et puis... Et puis une glace. Ça fait tous les éléments comme ça. Enfin, il faut que ça s'améliore aussi, hein. Bon, je sais pas trop. Je mets ça juste pour remplir. Au pire, je rechangerai si je vois que ça ne me plaît pas. Je laisse comme ça. Ça, c'est quoi? Ah bah, il y a une musique. Il y a une musique, en fait. Non, mais cette machine, quoi. La tronche de la machine.
On va prendre tout ce qui est en promo. Voilà. Putain, mais le donjon, quoi. T'as des néons et des bougies. Oh, un coffre. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Eh, les filles ! J'imagine que vous devez encore vous sentir un peu déboussolées. Mais l'audition va commencer. Il y a un escalier derrière la porte à votre gauche. Alors je vous prie de monter par là. Mais c'est quoi cette salle de torture, en fait ? Allons-y. Mais qu'est-ce qui te prend, tout à coup ? Mais qu'est-ce que c'est que cette salle de torture ? J'avais même pas trop capté. Allons-y. Attends, Tifa. Je peux pas te parler juste un petit peu ? T'aimes pas ? Bah écoute, c'est pas mal, hein. Ça fait un petit peu plastoc, quoi. J'ai l'impression que tu t'es habillée avec la toile cirée. Qu'est-ce que t'en dis ? Mais bon... Est-ce que c'est lié au choix que j'ai fait lorsqu'elle m'avait demandé une tenue ? Allez, venez les filles. C'est le moment d'aller combattre. Même si j'ai pas d'armes. Demoiselle, mettez-vous en rang ici, côte à côte. Tiens, tu me dis quelque chose. On s'est pas vu quelque part. Bon, j'ai dû rêver. Allez, est-ce que vous êtes prêtes, mesdemoiselles ? Attention ! C'est l'homme le plus charismatique de tout Wall Market ! Voici sans plus attendre le grand Don Corneo ! Coucou ! Bravo ! Très bon ! Oh, il est dégoûtant. Laquelle d'entre vous vais choisir ? Oh oui ! Joli ! Est-ce que ce sera toi ? Oui. Qui ? Ou bien alors peut-être toi ? Oh oui ! J'ai choisi ! Je sais qui je vais prendre ! Ma concubine du jour sera... Du jour ? Si tu fais des efforts, tu resteras peut-être sa concubine pendant 2 ou 3 jours. Quel gros porc ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'a dit ça ? C'est toi ? J'aime ça. Bien. On fait la sauvage, hein ? Je vais te dompter, moi ! Aujourd'hui, je vais prendre cette petite rebelle ! Oh oui ! J'aime cet air ravage dans tes yeux. C'est trop chou ! Les 2 autres sont pour vous ! Ouais ! Ouais, génial ! Alors, tu préfères laquelle ? Moi, c'est celle-là. Oh my god! Allez, mon petit chaton, viens par ici me faire des gros poteaux! Pas la peine de faire ta timide! On est que tous les deux ici! Oh oui! Plus je te regarde et plus je te trouve mignonne! Me colle pas! Oh oui! Le petit chaton sans ses griffes, j'adore ça! Hey. C'était quoi ça? Rien, t'inquiète pas pour ça! C'est juste une petite photo souvenir. Il suffit d'une seule photo pour que toutes les filles deviennent beaucoup plus dociles. Tu me dégoûtes. J'aime ce genre de compliment. Bon, les gars, on a de la compagnie. Hein? Soyez gentils avec les demoiselles. Faudra remercier Don Corneo de sa grande générosité. Après tout, on est des gens très bien éduqués, nous. Ouais. Vive Don Corneo !
c'est le meilleur. Bon, eh bien, mes chères demoiselles, êtes-vous prêtes à jouer? À jouer? Mais bien sûr, quand vous voulez. Toi aussi, non? Faut qu'on se dépêche de rejoindre Cloud. Ouais. Hein? Mais attends... T'étais dans l'arène? Oh! Oh! Vous l'aurez voulu! Baisse-toi, Iris! Non, non, non! Tu vas le payer! Non, attends! Ce bruit sourd et sinistre! Iris, t'assure! C'est rien comparé à toi! Andy m'a expliqué la situation. Je vous rends vos armes et vos vêtements. J'ai quelques trucs à régler. À vous de jouer maintenant. Oh, merci beaucoup. Elle était tellement stylée aussi, cette scène. La musique est cool aussi, enfin bref. Dans la chambre de Cornéo. J'en prends plein les yeux dans cet épisode. Hein. Bouteille incendiaire. Bouteille incendiaire. Bon. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est à balancer, ouais. Inflige plusieurs fois 90 points de dégâts de feu aux ennemis. Ouais, bon, c'est pas le genre de truc auquel je pense, je dois bien avouer. Est-ce que c'est le thème d'Aeris que j'entends? J'ai du mal à reconnaître. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Oui, d'accord. Vite, faut aller sauver Cloud. Moi aussi, j'aurais bien voulu causer avec ces nénettes. Les autres doivent bien s'amuser, là. Et merde! Bravo! Allez, ça calme tout le monde, là. Attendez, parce que... on a une nouvelle compétence, hein. On a le familier magique. Oh là là, le petit papillon. Avec Tifa... Ah, je suis content de la retrouver. Parce que j'utilise pas assez les enseignements. Attends, calme-toi. C'est réglé. C'est réglé. Ah, je suis content de les retrouver. Il y a un petit coffre là, ok. Je suis content de retrouver Tifa, ouais. Anneau de furie. Oh, Tifa, je suis sûr que ça va bien t'aller, ça. Je suis sûr que ça te plaît déjà. Alors, le croissant lune porte bonheur. Qu'est-ce que c'était déjà, ça? Je me souviens même pas quand est-ce qu'on a eu ça. Ah non, ok, non, je me suis trompé. Octroie l'effet Fury en combat. Alors Fury, ça permet d'attaquer de manière hard, mais du coup de ne pas pouvoir agir. Donc pourquoi pas sur Tifa? Genre elle balance des patates, mais elle peut plus rien faire, je crois que c'est ça. À tester, je crois que ça booste un petit peu la force. Et du coup, faut que j'essaye d'utiliser, bon, peut-être pas quand elle a cet équipement, mais ces enseignements secrets, parce que je les utilise pas assez. C'est où que je dois aller? Faut que je sorte? Non, c'était en haut, en fait. Je crois que j'ai pas pris le bon truc. Je me suis perdu. Ah non, c'était ici. À moins que je puisse maintenant fouiller les autres pièces, effectivement. Non, là, c'est de là où je viens. Poussez-vous. Ok, je comprends, d'accord. Je comprends la carte, c'est bon. Il m'a fallu un petit peu de temps, mais c'est bon. Salut. Qu'est-ce que vous foutez ici? Prends ça! Vous êtes toutes recalées!
J'invoque mon familier, hein. Allez, tire à volonté. Allez, papillon magique. Attaque. Fais du vent sur tout le monde, papillon magique. Allez, bon vent. Bon vent. Et tout le monde crève. C'est pas fini. Pendant que Tifa se déchaîne. Non, pas comme ça. Belle victoire. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Faut aller derrière, mais attends. Ici, il y a quelque chose. Ah, c'est la... D'accord, ok. C'est le donjon en bas. Donc c'est pas la peine d'y retourner, normalement. Ah, la Love Capsule. Oh oui ! Encore ! Encore ! Espèce encore ! De gros dégueulasse. Encore ! Oui, je sais! Je vais t'attraper! Mais dis donc, tu crois pas que tu vas un peu loin, là? Oh, et vous autres dehors! Venez apprendre les bonnes manières à cette donzelle! Malheureusement pour toi, on dirait bien qu'aucun de tes hommes ne viendra t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Cloud, change-toi! Oh oui! Hein? Surprise! Ah oh. Alors j'étais un garçon en fait? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est nous qui posons les questions. Les hommes que t'avais envoyés, ils cherchaient quoi dans notre quartier au juste? Hein? Je sais pas de quoi tu parles. Pas la peine de faire l'innocent. Ouvre bien tes oreilles. Les hommes que t'as envoyés chez nous, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Maintenant parle, sinon... Je vais te les couper. Non! Fais pas ça! Je vais parler! Je vais tout vous dire! On me l'a ordonné! Ils cherchaient l'homme qui a une mitrailleuse à la place du bras! Qui te l'a ordonné? Non, pitié! Si je vous dis ça, ils vont me liquider! Discute pas. Parle vite, sinon... On va les tordre et les arracher. Oh oui! Heidegger de la Shinra! Le directeur de la sécurité publique, Heidegger! La Shinra? Et qu'est-ce qu'il manigance? Alors ça, je peux vraiment pas vous en parler! Pourtant, je crois que ça vaudrait mieux pour toi. Raconte-nous, sinon... Je vais les écrabouiller. Toi alors, tu rigoles pas. Dans ce cas-là, je vais vous dire ce qui manigance. La Shinra veut éliminer ces terroristes d'avalanche qui attaquent les réacteurs, les écraser complètement eux et leur repère secret. Littéralement, les écraser tout plat. Le plateau va s'écrouler quand ils feront péter le pilier. Comment ça, le plateau? Il te faut un dessin? Le plateau, chou! Bam! Là! Tout comme l'accident du plateau numéro 6. Vous avez déjà vu les ruines du secteur 6, hein? Cette fois, c'est le 7 qui va finir en montagne de débris. C'est pas vrai. Tifa, Cloud, allons-y. Pas si vite! Ferme-la! Ce sera pas très long alors, écoutez-moi! Quand les crapules dans mon genre se mettent à tout raconter à leurs ennemis comme ça, c'est dans quelle situation, hein? Oh, quoi? Dans quelle situation les méchants se mettent à parler? Quand ils savent qu'ils vont mourir? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné? J'ai pas eu le temps de choisir! Non, mais j'ai même pas eu le temps de lire! Trop tard! Le temps est écoulé. La réponse était... Je vous le dirai pas. Ah oh oui! C'est trop drôle, j'en peux plus. Ok, j'espère que c'était scripté et que je ne pouvais pas me rater. Enfin, en fait, je me suis un petit peu raté puisque de toute façon, je suis tombé dans un piège, mais bon. En tout cas...
on a appris que la Shinra voulait faire s'effondrer tout le plateau au-dessus du secteur 7 pour mettre fin à Avalanche totalement. Évidemment, va falloir qu'on agisse. Hein. Tout se passe comme prévu. Oui, les Turcs s'en occupent. Tout se déroule à la perfection. Monsieur, s'il vous plaît, reconsidérez. Je vous en prie. Le bidonville du secteur 7 abrite plus de 50 000. Rive. Laissez-nous au moins donner l'ordre d'évacuer. Quand te débarrasseras-tu enfin de cette naïveté inappropriée ? Rive. Ces sacrifices sont nécessaires pour avancer. Il va falloir t'y faire. C'est ignoble, cette odeur. Mais quel épisode, là. Ah, mais en fait, faut faire un choix. Est-ce qu'on fait le choix aujourd'hui? Ou est-ce qu'on fait le choix la prochaine fois? Non, mon choix est arrêté. Mais est-ce que vous le connaissez? Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le commenter parce qu'il était extraordinaire. Enfin, vraiment, ce qui s'est passé était dingue. On se retrouve la prochaine fois pour découvrir ce qui se passe ensuite. Bon, je pense que vous savez très bien qui je vais choisir. Mais vous verrez ça la prochaine fois. Allez, des bisous, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.